Début de la session. Nous sommes début mars. C'est parti pour 4 jours de pêche sur un joli plan d'eau d'un peu moins de 100 hectares, se trouvant pas très loin de chez moi. Le poste n'étant pas accessible en voiture, je dois utiliser un chariot pour pouvoir m'y rendre. Par chance, l'installation se fait sans pluie, les pieds au sec, ce qui n'est pas négligeable. En ce qui concerne la stratégie mise en place, je me retrouve sur le type de pêche que j'affectionne le plus. Celle d'une pêche précise qui se fait du bord en pleine eau avec un amorçage au spod constitué de bouillettes et de particules telles que du chêne vie. Super, voilà le premier départ au bout de quelques heures de pêche. C'est plutôt bon signe. C'est un petit poisson, mais je sais que ce plan d'eau peut offrir de bien plus gros sujets. Le temps change. Comme prévu à la météo, c'est la pluie qui vient faire son apparition maintenant. Je reste confiant et je vais tout faire pour tenter de capturer un des beaux poissons qui nage. Voilà, il fait pas bien chaud, on a de la pluie, beaucoup de pluie même, du vent. Mais voilà un beau poisson qui vient réchauffer nos cœurs. Donc elle est pas très grosse, mais c'est un poisson qui a vraiment un bel avenir devant lui. Et j'aimerais bien recroiser sa route dans quelques années. Dans la calmie. Et ben voilà une belle commune. Je me suis installé hier soir juste avant la tombée de la nuit. J'ai eu de la chance, j'ai pu m'installer au sec. Il pleuvait pas et là depuis le milieu de la nuit et toute la journée, ben, avec l'ami Thierry, on a dégusté. Il a plu non-stop.
Mais bon, c'est pas grave. Là, je viens de replacer mes cannes pour la nuit, je suis confiant. Et je vais aller mettre au chaud dans mon bivy et préparer quelques montages. On a un peu plus de chance, le temps il a changé positivement, donc on a un peu moins de pluie. Le vent par contre est toujours présent, mais les températures ont augmenté. Donc là maintenant il est l'heure de ramorcer. Et j'ai enchaîné pas mal de touches en faisant des petits poissons avec un amorçage de particules et de bouillettes. Donc du chêne vie et puis des bouillettes Scopex Weed. Donc pour pallier à ce problème, j'ai décidé de ne plus mettre de chêne vie et d'amorcer directement de la bipure sortie du paquet. Donc ici de la Scopex Weed en 20 mm pour essayer de cibler les plus gros sujets. Donc je vais en mettre dans mon deuxième seau pour séparer le mélange et avoir exclusivement des bouillettes dans ce seau là. Et après je vais amorcer ma zone à l'aide du dot spod. Donc j'ai mes cannes qui sont clippées à 90, 95 et 100 mètres. Et j'ai un amorçage à 95 mètres. Comme ça j'ai une canne qui est sur mon amorçage et deux autres qui pêchent en périphérie de l'amorçage. Donc voilà, je vais renvoyer une quinzaine de spots sur ma zone, puis en espérant faire rentrer quelques beaux sujets.
doublé. Je vais venir prendre Thierry. Je viens m'aider. Oh non! Et ben voilà, enfin, après une série de plus petits poissons, j'ai décidé ce matin de revoir mon amorçage et j'y ai seulement amorcé des bouillettes Scopex Squid en 20 mm directement sorties du paquet, amorcé sur mon spot à 95 mètres et c'est ma canne de gauche en périphérie de l'amorçage qui a payé. Donc voilà, une belle et grosse miroir. Je pense que vous le voyez à ma tête, je commence un peu à trembler des bras, mais voilà, ça fait plaisir. Bon bah il nous reste encore une nuit de pêche, mais là, le bonheur y est, j'en demandais pas plus. Merci ma belle. Alors voilà, je suis sur un plan d'eau où le bateau est interdit, donc c'est une pêche exclusivement du bord. C'est la pêche d'ailleurs que j'affectionne le plus. Donc pour être le plus précis possible, j'utilise les distance sticks. Alors les distance sticks, c'est très simple et c'est très rapide à mettre en place. Donc ce sont des piquets espacés de 3,60 m qui permettent tout simplement de compter le nombre de tours qu'on fait et de savoir à combien de mètres nous pêchons puisque un tour fait 3,60 m. Donc j'avais déjà repéré le poste au préalable et il s'avère que j'ai trouvé une zone intéressante à pêcher entre 90 et 100 mètres. Donc en l'occurrence ici, j'ai décidé de clipper mes cannes à 95 mètres et donc ce qui équivaut à 26 tours et demi. Donc 3,60 fois 26,5, ça me donnait 95 mètres. Donc je suis sûr que mes cannes pêchent à chaque fois entre 90 et 100 mètres. Alors les montages que j'ai souhaité utiliser durant cette session, il y en a deux. Donc le premier que j'ai monté sur une de mes cannes, c'est le fameux gyro rig avec une pop-up hot tuna en 15 mm. Les hot tuna qui sont une nouvelle gamme des instant action. Et le second montage que j'ai mis sur deux de mes autres cannes, c'est un slip des rigs, tout simple mais terriblement efficace, avec une bouillette Scopex Squid en 20 mm et une pop-up Scopex Squid également en 15 mm couleur blanche. Donc la nuit va pas tarder à tomber, j'ai repréparé quelques montages et je vais replacer mes cannes pour qu'elles pêchent propre pour la nuit. Donc aujourd'hui on a eu pas mal d'activités avec la prise de quelques poissons dont un gros poisson où j'étais vraiment content. Donc là je vais tout mettre en œuvre pour essayer d'en refaire un cette nuit et de finir cette session en beauté.
Et voilà la petite dernière. Donc c'est un poisson que j'ai capturé ce matin au réveil avec un gyro rig et une nouvelle instant action hot tuna. C'est un des nombreux poissons qui sera venu nous rendre visite, Thierry et moi. Donc on en aura fait quelques-unes. On n'a pas beaucoup dormi, on est un peu fatigué. Donc là maintenant, il est temps de plier puis de rentrer. Mais voilà, c'était que du bonheur. Merci Thierry.